Bonjour à tous, bonjour à tous. Seed Trading avec vous. Je vais revenir sur une mise à jour, une mise au point sur le BTC. Donc, Bitcoin, on est toujours sur cette distribution qui s'est mise en place. Donc, on a ici un sommet. On a pris ici l'argent sur deux niveaux ici. Ensuite, on a retracé ici pour combler le premier déséquilibre qui est ici. Donc, ça, c'est effectué. Pour l'instant, il est sur ce niveau-là. D'accord? Il a pris l'argent de ce niveau-là. On vient de voir une réaction haussière ici sur cette prise de liquidité, revenu retester un endroit et la possibilité, bien sûr, continuité de baisse car on a ici un déséquilibre à aller combler. Donc, step by step, ok. Donc, on laisse tranquillement le Bitcoin faire le job, faire son travail. C'est pas folichon comme mouvement. Donc, là, il est ici depuis le 2 août, on est le 5 août. Donc, depuis le 5, entre le 2 et le 5, il est sur cette zone-là. D'accord, une zone où il n'y a pas trop de volume, donc forcément pas trop de volume, donc pas trop de mouvement. Vous remarquez, le volume est un peu plat. Donc il va falloir attendre, patienter un petit peu. Ok, et le repère qu'on a, on a ça. Et forcément, forcément, je pense que forcément, il a de fortes probabilités, bien sûr, d'aller chercher ce mouvement-là. Ok, avant de repartir vers le haut et aller nous chercher possiblement le déséquilibre qui est en haut sur les 26-28 000 dollars, voire faire un excès jusqu'à la zone des 30-32 000 dollars. Voilà personnellement ce que je vois. Ok, pour aller faire potentiellement un UTAD, pourquoi pas, donc un autre sommet. Ou solution 2, bien sûr, il prend cette liquidité, il vient combler ce déséquilibre. Prend la liquidité et après on voit ce qui se passe. Donc après à ce niveau-là, on verra ce qui se passe. Pour l'instant, je vois pour l'instant un mouvement baissier, au moins déjà jusqu'à ce niveau-là. Voilà, sur ce, bisous à tous, bonne soirée à vous tous et à bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures. Seed Trading est avec vous.